Chères donatrices, chers donateurs, vous avez été nombreuses et nombreux à répondre généreusement à notre collecte de fonds en faveur de la première opération de solidarité contre la pandémie de Covid-19 en Algérie, que nous avons lancée le 31 mars 2020. Nous vous remercions chaleureusement pour vos dons, votre confiance et votre contribution. Nous avons le plaisir de vous informer que cette opération a été menée avec succès. Grâce à vos dons et la mobilisation d'un réseau de bénévoles, nous avons pu mener à bien deux opérations. Équipés des bénévoles qui se sont engagés à stériliser quotidiennement les locaux des hôpitaux algérois, la confection et la distribution de bavettes et de visières pour le personnel soignant des hôpitaux. À cet effet, nous avons acquis le matériel suivant. 25 stérilisateurs d'une valeur de 48 500 dinars. 10 bidons de produits de désinfection d'une valeur de 62 000 dinars. Avec nous, l'un des bénévoles équipés afin de stériliser les locaux des hôpitaux algérois. Stérilisateurs précédemment cités. Combinaisons confectionnées par les bénévoles. 20 lunettes de protection d'une valeur de 20 000 dinars. Des masques à cartouches d'une valeur de 54 000 dinars. 20 paires de bottes d'une valeur de 18 000 dinars. Tissus destinés à la confection de combinaisons et de bavettes. Une valeur de 125 000 dinars. Matière plastique PVC et élastique pour la confection de visières. Valeur de 108 410 dinars. Allez, nous allons faire un petit tour sur le terrain avec les bénévoles. Début de l'opération de désinfection dans l'un des hôpitaux algérois. Découpe de tissu pour la confection de bavettes. Couture. Et voilà le résultat. Nous avons encore besoin de vous. Nous répondons actuellement à des besoins prioritaires exprimés par le personnel médical à travers un réseau de contacts directs. Masques chirurgicaux, masques FFP2, oxymètre, lunettes de protection, surchaussure, surblouse, thermomètre. Pour nous permettre d'acheter ces équipements, faites un don directement sur la page www.solimed.net. Aidez-nous à continuer nos actions pour soutenir nos soignants. À bientôt !